Nous sommes devant le bâtiment de la Banque nationale et nous sommes allés demander au gouverneur de la banque, Guy Quaden, quels enseignements il tire du rapport annuel de la banque, un rapport qui dresse un bilan global de l'économie belge en 2007. Je sais qu'en ce début de 2008, beaucoup de gens sont préoccupés, les chefs d'entreprise par les turbulences financières, le ralentissement de l'économie américaine, les consommateurs par l'inflation, la montée du prix de certains produits. Mais je dois dire que 2007 a été, du point de vue économique, une bonne année pour l'économie mondiale, à nouveau avec 5% de croissance, tirée principalement par les pays émergents, la Chine en particulier. En Europe, dans la zone euro et en Belgique, il y a eu un peu moins de croissance qu'en 2006, 2,7% en Belgique, 2,6% en Europe. Ce sont les chiffres pour 2007. Il reste plus élevé que les moyennes historiques, que ce que l'on appelle le taux de croissance potentiel de nos économies. Et cette bonne croissance a eu pour conséquence une amélioration sur le marché du travail. On a créé 70 000 emplois nouveaux en Belgique l'an dernier. Et cette croissance de l'emploi est la principale augmentation, c'est la dernière bonne nouvelle, du revenu disponible de la population belge, 4,5%, 2,5% en dehors de l'inflation. Une bonne nouvelle qui ressort du rapport, c'est que pour la première fois depuis plusieurs années, la Belgique n'aurait plus perdu de part de marché au niveau de ses exportations. Comment expliquez-vous cela ? En 2007, non seulement la croissance a été relativement élevée, mais surtout elle a été très équilibrée. L'investissement des entreprises a augmenté, les entreprises font relativement beaucoup de profits. La consommation des ménages a également progressé, en particulier parce que plus de Belges ont un emploi, moins sont au chômage, et l'exportation s'est également améliorée. La demande mondiale, je l'ai dit, est restée relativement forte, venant principalement des pays dits émergents. Nos entreprises en ont tiré profit, soit directement, soit indirectement, via notre commerce traditionnel avec les pays voisins. Les chiffres sont encore provisoires, mais s'ils étaient confirmés, pour la première fois depuis plusieurs années, l'économie belge n'aurait plus perdu de nouvelles parts de marché. Ça veut dire que sa position compétitive se serait améliorée. Et vous connaissez les deux aspects de la compétitivité, les prix, qui dépendent en particulier des coûts salariaux, et puis d'autre part, ce que l'on peut appeler le dynamisme de nos entreprises. Vous tablez toujours sur une inflation moyenne de 3% sur l'ensemble de l'année 2008, ce qui est fort élevé. Comment faut-il répondre aux craintes que l'inflation fait peser sur le pouvoir d'achat des ménages ? L'inflation a effectivement augmenté l'an dernier, moins que ce que ne pensent la plupart des gens. L'inflation perçue est plus élevée que l'inflation effective, mais celle-ci est passée d'un peu moins de 2% en début d'année à un peu plus de 3% récemment. La première protection du pouvoir d'achat de la population, c'est le maintien de l'emploi. La deuxième protection, c'est un mécanisme qui est quasiment unique dans le monde, l'indexation des salaires, des prestations sociales et d'un certain nombre d'autres revenus. Cette indexation se fait maintenant sur la base, comme vous le savez, d'un indice dit « santé » qui exclut non seulement le tabac et l'alcool, mais aussi la plupart des prix des produits pétroliers. Et fort heureusement, car ce que nous devons éviter à tout prix en Belgique, c'est l'intérêt de chacun, c'est le développement d'une spirale inflatoire. Les prix qui augmentent, les salaires qui suivent, les prix qui augmentent une seconde fois. C'est donc pourquoi j'appelle chacun à la modération, les travailleurs et leurs organisations dans leurs revendications, mais aussi les producteurs, les distributeurs, les commerçants dans la formation de leurs prix, dans la formation correcte de leurs prix. Le point noir du rapport, ce sont les finances publiques qui s'écartent dangereusement de la trajectoire définie par le Conseil supérieur des finances. Comment faire pour réintégrer au plus vite et de manière réaliste cette trajectoire ? La Belgique doit dégager des excédents budgétaires pour pouvoir préfinancer les coûts budgétaires, pensions, soins de santé, du vieillissement de la population qui se font sentir à partir de 2010. Et il ne faut pas transmettre la facture aux générations à venir, ce serait injuste, ce serait imprudent. C'est pourquoi le programme de stabilité, le budget du gouvernement, fin 2006,
prévoyait pour 2007 un excédent budgétaire de 0,3%. La croissance économique a été meilleure que prévu, mais le résultat budgétaire, pour des raisons assez aisées à comprendre, a été au contraire moins bon, un petit déficit au lieu d'un petit excédent. Il faut se remettre au plus tôt sur cette trajectoire et commencer par réaliser dès cette année, à tout le moins, un équilibre, un véritable équilibre, un équilibre structurel de nos finances publiques et dès l'an prochain, au plus tard, dégager enfin des excédents.